Wesh Samir, comment ça va? Wesh Hugo, aïe aïe aïe, je suis enfin de retour à Yu-Gi-Oh! Ça m'a tard pas manqué! Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui du coup? Bon bah j'ai fait 6-1, ma défaite c'est contre Lidl. Okay. J'ai la Lidl, on croit la dernière route. Et après bah je donne le tournoi, t'as vu. Ok, tu vas nous montrer ce que t'as joué du coup? Ah là là, je joue au monde virtuel les gars! C'est un deck de Zub? Franchement ça, machallah le deck. T'aimes bien? Il me fait kiffer. Ah ouais ouais ouais. Vas-y, bah montre-nous du coup ça. Attends, j'ai mal pris un truc. C'est bon. Bon bah, 3 Lily. Hein. D'abord, je vais montrer l'engine virtuellement. 3 GG. Hein. Je vais passer rapidement à l'engine. Ouais, les trucs classiques. 3 Lily, ouais, exactement. C'est les 12 starters quoi. Donc là-haut, je vais pas décrire les starters. Basically staple. Basically staple. De Nyonéon Institute. Fuck la CCG. Frère, maintenant les pièges de main. 3 Gamma. Ok. Gamma c'est un sub. Oh Gamma. Oh j'ai pas de définition. Oh Gamma, tiens, c'est la meilleure entrée du jeu. Ensuite, même au-delà d'être la meilleure entrée du jeu, c'est un extender sur Virtual World. Genre, tu peux sortir des Crystal Wing avec Gamma. Gamma sans déchargeur. Le Driver. Là, en vrai, dans Virtual World, il est pas dégueu. C'est un sub, hein. Psychique. Tu le discardes avec tes tools. C'est pas une brique pour une fois. Et décontacte ses main deck. Pourquoi t'as joué ça, Vendek? Les tri, les pranky, tactiques, résolution, fin de duel. T'en as activé ou pas comme ça? En vrai, ouais. T'en as activé combien en vrai, je pense? Quoi? Ok, bon, bah vas-y, carré. Il arrive comme ça! La main! Ah, la main! Ensuite, basically staple rhythm! 3 kingdom. Yes. 3 city. Et là, on va commencer les 3 potes de désir ultimate rare. Le One Piece il existe d'ailleurs. Vas-y vas-y, après j'ai un dégagement. Il est au bout. Allez vas-y, bah, dégagement frère. Dégagement du gars. Bam. Maintenant je passe au jeu de la déclic. Je joue un peu de prospérité. Ok. Parce qu'en gros c'est le 13ème starter. Et d'accord. Ça te permet, en gros ça te rend toutes tes fois une, fois deux. Et vous allez en voir à des fois une à partir de là. Ouais, t'es trop mime, tu veux. Ah, je suis le plus beau de la BCP. T'es sexe. Joue un TTT. Parce que. Un TTT. J'ai chier envie d'avoir un Panini. US. Elle prend des Panini cette carte. Elle prend des Panini, des croque-monsieur, elle prend tout. Pourquoi tu la joues x1 dans ton deck? Parce que ça fait partie de mon gameplay d'avoir plein de staples x1. En gros, c'est que ça fait un second Call by the Grave. Ça peut te faire comme un quatrième peu de désir pour piocher si tu briques ou si on te bloque un play, bah on te bloque un play quoi. Non. Si tu veux pas faire TTT, ou tu peux snatcher un monstre hyper Sheridan que je montrerai plus tard. Elle vole des grands Apollosa ou quoi? Elle fait tout, wesh! Elle a trop d'effets la carte! Ouais, elle a trop d'effets. 3 cartes bannies. Mais en fois une, je reste limité. Call by. One forbidden droplet. Et derrière avec call by. Oh là là, Dritro, comment le remonter? Faut les deux en même temps. Je ne remonte pas, et je les refais. Encore une fois, une. Un petit téléporteur d'urgence. Bon, ça c'est bête avec les snipers, alors ouais. Deux chuches, j'en joue pas trois. En gros, je l'ai tiré avec la troisième. C'est utile comme la troisième chuche, mais il fallait que je fasse un choix vis-à-vis de contact que c'est. Pour augmenter mes chances contre les match-up quand je le taille. Que la chuche elle est mauvaise quand tu veux. Bon bah ça c'est pareil, des Eclipse Staple. Un Imperial Order. Et grâce à mon Dueling Skill, je peux l'add de mon deck à maman. Ah ouais, t'as un effet spécial genre. Ouais, comme les cartes compétences dans. Ah ouais, dans le vide du jeu. Tu les mets au-dessus de ton deck genre. C'est même pas au-dessus du deck. Ah, genre, elle est à côté du deck. Exactement. Ah ok. Tu peux l'ajouter du deck. Au lieu de la drop face, tu l'ajoutes du deck à ta main. C'est okay. Ça, et le driver en-dessus du deck. Bon, ok, c'est bon. Sincèrement, tu tapes les couilles. Et une imperme pour faire une sixième piège de main. Tu veux me shark? Ouais, c'est shark. T'as pas de shark. Vas-y, on va passer à l'extra du coup. Oh, et je suis à 40 cartes. Hein. 40 cartes, ok. T'as pas le droit de jouer. Ça n'existe pas. Et l'imperme, la mono-imperme, en gros, c'était pour, tant que j'y suis, c'est pour faire 6 entrapes, permettre d'avoir 6 entrapes contre tri, et en même temps d'avoir droplet et imperme en possibilité pour annuler un effet de monstre. Une réponse en hard roof, ça fait 2 cartes. Ok. Voilà. Et avec les 3 gamma qui font. Voilà. Vas-y, je vais péter l'extra, hein. Je voulais faire péter le side, mais vas-y, on va péter l'extra. Ah oh là là là. J'ai cher pas trié l'extra, on va le voir au pif du coup. Vas-y. Je joue l'Adamancipateur éveillé Raptide. Ok. En gros, c'est un corbeau DD. En quick effect. C'est cher pratique, pas versus les gros decks du métal, le tri et. Et prend kit, mais c'est super fort contre tous les autres match-up. Tritron, SS, Salah, parce que ça fait 10 crons.
Et il a un effet secret qui permet de regarder sa carte du deck et de spécial summon un rocher. Tu l'as déjà fait pendant le tournoi ? Non, pas pendant le tournoi, mais c'est un effet secret pour spé Nibiru et après faire Ptolémy et remonter Nibiru en main. Ok. Tuto Nibiru, du coup. Ce qui est pas mal, du coup. Ah, c'est mignon, c'est Mims. Un Crystal Wing, un Soul King, ça je présente pas. Ça vient plus, ouais. Ah, non plus. C'est un Z. C'est un Zom du tout. Oh, lui. C'est un Zom. Oh, les gars. Ah, c'est Yujiro Hanma, Zerma. Yujiro Hanma avec le dos de l'ocre. Genre, même pas juste Yujiro Hanma. Elle fait quoi la carte? Elle dit je pioche 1, mais elle a très fait. Elle peut taper tous les monstres spé. Donc elle fait. C'est un peu Purgatorio du coup. Purgatorio, c'est un petit du quartier à côté de lui. Parce ah ouais que pioche 1. Ah, lui, c'est un grand du quartier du coup. Ouais, cher. Bon, on va passer aux exifs. Fort, je l'ai pas fait du tout. Éclaté au sol. Il va se manger un dégagement, sinon, je pense. Non, en vrai, il est fort contre ça, la ISS, mais j'en ai pas croisé. Bah, trace ta route alors. Oh là là là, je vais montrer un top. Oh, Sheridan. x2. x2. Il fait quoi? Il dit. Je détache un. C'est parce que t'aimes bien la carte, non? Tu la trouves belle, du coup, tu l'as mis dans ton deck. Je suis cher un fan de Castlevania, donc t'as cher que t'as dit la merde. Il a mis x2 dans son extra. Ouais, 2. Non, mais en gros, tu envoies un truc au cimetière. Une carte en détachant une sans porto, et si c'est un monstre qui est envoyé au cimetière durant le tour par un effet, tu peux le spécial summon en détachant. Et ensuite, il y a un troisième effet, c'est que quand tu l'invoques par exil, si c'est pas un niveau, enfin si le monstre a un niveau, il est considéré comme étant niveau 6. Du coup, tu peux pour, généralement pour l'étal, si c'est des monstres en def, tu peux faire Sheridan, tu vois, entre guillemets, tu voles le monstre, tu re-Sheridan et tu re-voles un monstre. En gros, c'était un peu le problème de Virtual World, ça arrivait pas au TK. C'est ça, quand il y a trop de monstres en bande. Et du coup, bah. C'est un sirop. C'est chier un sirop. Mais non. Non, non, c'est un sirop, c'est un sirop. Non! Le petit break sort, d'où? Oh là tu l'as fait? Pff, bah ouais, Alexis 3 générique. J'avoue, c'est un homme. C'est chier un homme avec Nyon Nyon. Vas-y, mange lui un dégagement lui. Oh, c'est un homme. Oh, lui, c'est un homme. Gros Utopia Payon! Tous les monstres à zéro et après tu starts dans chargeur, tu tapes à tous les monstres et tu tues. C'est un bon combo. Tu sais, fais cher c'est des un bon combo. Wombo combo, Shannick! Wazo Totem, c'est pour annuler les tricks et garder leur piège. Vas-y, va là-bas, Wazo Totem. Jeez! Ah, dégagement! Allez, 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 on la connaît! Un petit tapage, j'ai pas vu le tournoi, c'est Ptolémy, hop là, tu récupères les petits contacts aussi. Hop là, petit dragon guéa, charge d'honneur. Sidek! Sidek, Trani Birou, merci Christophe! Merci Christophe! Relancé A! Merci Hugo Ignacio! Un contact aussi, merci Ryan Jabri! Un dark couleur! Ah, ça y est! La tête, c'est une déglise de stack. Il y a trop de fois dans sa déglise. Pas le temps. Regarde, c'est cher, lui, j'ai été complet. Ah, mais tu peux le dire, en fait, t'es un tricheur, en fait. Ouais, je stack, là, quoi. Non, c'est cher, j'ai bien compris. Ça serait peut-être un couleur. C'est juste qu'on tire tout le tranquille, les gars, mais bon, Mac, t'es là, petite fois. Blablabla, suivant. Il faut compléter ton play, quand même. Voilà, encore une fois, une petite playset de touille. De la game. Et la troisième chute parce qu'on la cut au dernier moment, donc allez, au cas où si on pourrait le cut. Ok. Ça s'est bien passé du coup ton tournoi? Oui, j'ai bien passé, j'ai rigolé, j'ai revu tout le monde, je suis au taf, j'ai rejoué au Cartugio, ça m'avait tard pas manqué. Et j'ai vu Hugo faire de la merde. Ok. Il est au bout. Bon bah merci à toi. Shoutout. Allez. Shoutout à tout le monde. Shoutout à tout le monde. Shoutout à la peine de Gameplayer. Shoutout à la GTG. Et shoutout à Porte de Gérard qui m'a sponsorisé les Light to Storm et les contacts aussi. Vas-y. Et merci! Vas-y, allez, à plus pour te cumuler.